La créatrice de bijoux Emily Mortimer a vu ses ventes augmenter d'une traite après que Meghan Markle a porté une de ses créations pendant son royal tour en Océanie. C'est l'effet Meghan Markle. À l'occasion d'une réception en Nouvelle-Zélande, la duchesse de Sussex avait choisi de porter une robe bleue du créateur Antonio Berardi. Mais si l'épouse du prince Harry a encore une fois attiré tous les regards ce soir-là, un détail de sa tenue a particulièrement retenu l'attention, ses boucles d'oreilles. Une sublime paire en or jaune et or blanc, surmontée de petites topazes. Un beau bijou que sa créatrice, Emily Mortimer, avait envoyé en cadeau en novembre dernier à Meghan Markle. Et qui depuis le royal tour de cette dernière en Océanie, a vu les ventes de ses créations exploser. Comme le rapporte la créatrice britannique au magazine People, qui a monté son entreprise il y a 3 ans et qui travaille dans un petit studio de Suffolk, ses bijoux se vendent désormais dans le monde entier. Et ce grâce à Meghan Markle. C'est un sentiment incroyable lorsque quelqu'un comme elle, probablement la femme la plus photographiée au monde à l'heure actuelle, porte vos boucles d'oreilles, explique Emily Mortimer, qui a découvert complètement par hasard que la duchesse de Sussex avait choisi sa création pour compléter son look. Je suis simplement allée sur internet pour voir ce qu'elle portait lors de la tournée et je suis tombée sur elle, rapporte la créatrice qui était alors extatique. Tout le monde voulait lui en acheter un, il faut dire qu'à chacune de ses apparitions, Meghan Markle inspire de nombreuses femmes. À tel point que tout ce qu'elle porte est rapidement en rupture de stock ou recherché à travers le monde. Même le plus insolite des bijoux. En effet, pendant son voyage en Australie, la duchesse de Sussex a reçu de la part d'un petit garçon, un collier qu'il lui avait lui-même fabriqué. Et si elle ne l'a porté que quelques minutes, le petit Gavin reçoit désormais de nombreuses sollicitations. Nous avons reçu plein de messages de gens demandant à Gavin de faire plus de colliers, tout le monde voulait lui en acheter un, rapportait la maman du petit garçon sur la chaîne Network 10. On your